Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Ghosty et bienvenue pour le jour 7, si je ne dis pas de bêtises, sur Animal Crossing New Horizon ou New Horizon, je sais pas comment vous le dites, bref, comme d'habitude, j'espère que vous allez tous très bien, bah écoutez, pour ma part, ça va nickel. Donc, on y go, donc on va finir la mission de Mélie, donc finir de construire, de récolter des matériaux pour son futur magasin. Parce qu'il manquait du fer hier, et malgré que je sois allé sur une île, juste après, ça n'a rien donné, pas beaucoup de pépites de fer ni rien. En tout cas, merci à tous ceux qui viennent de s'abonner, on est à 558 à l'heure actuelle, merci beaucoup. Grand cœur sur vous, merci beaucoup les amis. Du coup, bonjour, il est 13h07, ouais, je tourne vers 13h, voilà, aujourd'hui c'est vers 13h. Alors c'est beau jeudi 10 octobre, et c'est Tom Nook qui vous parle. Je m'en dirai en disant que j'ai une tonne d'annonces dans ma besace aujourd'hui. Vous savez, au cours de ma promenade matinale, j'ai fait une découverte qui m'a laissé sans voix au pied d'un arbre. Se trouvait une adorable pomme de pin et un délicieux gland. Si vous les aimez aussi, secouez les arbres. Ah, on pourra avoir des glands et des pommes de pin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais ajouter un plan à votre appli création et pas n'importe lequel, celui du petit sapin fruit des bois. Ok. C'est quoi ça, le petit sapin fruit des bois? On va regarder ça. Mais ouais, je savais pas qu'il y avait des églantiers. Ouais, je crois que c'est des églantiers. Ouais, des églantiers, il me semble, pour les glands. Oh, je sais plus, ou les chênes. Non, c'est les chênes, je crois, qui produisent des glands. Les églantiers, ça existe pas. Ah putain, je crois que c'est les chênes. Ah, je sais plus. Oh, au secours. Le sapin, ça produit des pommes de pin, ok. Là, on est d'accord. Bah, c'est des chênes. C'est des chênes, ouais. Alors, j'ai l'impression que mon jeu, il rame. Je sais pas, c'est une impression. Ah, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Alors, je sais plus. Faut aller, je regarde sur Internet et tout, parce que j'ai un doute. Yo, mon petit doigt musclé m'a dit que tu rassemblais des matériaux pour construire une boutique. Que t'es un excellent exercice. Fier de toi, Ghosty. Je suis fier de toi, voilà. J'ai d'ailleurs trouvé quelque chose qui pourrait être des cadeaux. Alors, dis-moi que c'est une... Je pensais me fabriquer de nouveaux artères avec ces pépites de fer. Mais une boutique, c'est encore mieux. Si je peux acheter mes haltères au lieu de les fabriquer, ça me libérera du temps pour m'entraîner. Non, il m'a donné des pépites de fer qu'il fallait. Oh, on est à 30. Même 33. Parce qu'il y en a 30 plus. Oh non, super. Ah, impeccable. Non, on est plus que... Ouais, on est à 33, mais on en a eu je sais pas combien, là. Parce qu'on est à 28 hier. Non, alors lui, c'est un bon, lui. Bienvenue, Ghosty. Que puis-je faire pour toi? À propos du magasin, on a tout récolté. Mais on s'en fout, j'ai des matériaux. Tac, 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 tac. On te donne tout, mon pauvre. Hop, oui, 30 pépites de fer, tu vas fournir ça. Oui, bah, je te les fournis, avec grand plaisir. Merci mille fois, avec ça, on a tout ce qu'il faut pour construire notre nouvelle boutique. En guise de remerciement, comme c'est un peu grâce à toi qu'on a réussi à réunir les matériaux, on aimerait te demander de choisir l'endroit où sera construite notre petite boutique, la nouvelle boutique. Oh, ça c'est bien ça. Plante ce kit chantier boutique là où tu veux, qu'elle soit installée et on commencera la construction. Je suis impatient de découvrir l'endroit que tu vas choisir. Bah, écoutez, on va faire ça. On va faire ça. Alors, du coup, la boutique, j'aimerais bien la mettre ici, en vrai. Ou... pas très loin de la place, genre là. Ça pourrait être sympa vers la place, en vrai, parce que là, on a le mur. Ah oui, c'est vrai que j'avais planté ça. On va récolter ça après. Ou alors, là. À la rigueur, on a le musée. On a la boutique là. Ou là. En vrai... parce qu'il y aura d'autres boutiques à l'avenir. Il y a celui des sœurs doigts de fée, je crois, il me semble que ça s'appelle comme ça. Construire ici pour voir. Ah non. Un peu plus à la droite. Alors, imaginons. Bah là, c'est parfait en vrai. Ça donnerait. Comme ça, juste à droite, on mettra un petit pont. Quand on pourra. C'est ici que s'installera la boutique. On peut parier que cette île va vite devenir nettement plus animée.
Ok. Bon, déjà, on a fait ça. Alors, j'ai un peu qui part en couille par moment. Je suis vraiment désolé. Ça peut arriver. Voilà. Et l'autre arbre, est-ce qu'il est fait ou pas? Pas encore. Pas encore. Ouais, il est là. Alors, on va voir si. Je vais l'arroser. Non, trop loin. C'est trop loin. Là, c'est bon. Du coup, on a quoi à faire? Parce que là, en vrai, on pourrait dénicher des fossiles et tout. Donc, on va quand même aller voir Nook. Comme Nook, pour voir ce qu'on peut faire, etc. Les clochettes, pour l'instant, je les garde. Pour ma future maison. Bah, pour l'agrandir. Ah, Ghosty! Bonjour, bonjour. En quoi puis-je être utile? Je dois faire quoi? Oui. Voilà une excellente question. Merci d'avoir rassemblé les matériaux pour la boutique. Voilà un jeune homme qui sait se rendre utile. Moi qui t'abreuve de conseils, je commence à me demander si ce n'est pas toi qui devrais m'en donner. Alors pour l'instant, on n'a plus mission. Ok, bon, bah écoutez, on va faire des récoltes. On va récolter les fossiles qu'il y a sur l'île et puis voilà. Et certains insectes. Voilà. Alors je voulais juste voir le plan qui m'a donné. Alors là, on a la statue du pharaon. Petit sapin, fruit des bois. Ah ouais, c'est pour. C'est une sorte de décoration de Noël, je dirais. Canapé en carton, je ne le ferai jamais. Il est moche. Pardon, excusez-moi. J'ai pas éternué. J'étais à deux doigts d'éternuer, en fait, non, c'est bon. Franchement, je vous jure, c'est chiant. Ouais, du coup, je sais pas trop quoi faire, là. Bah, écoutez, on va faire les fossiles. Ça, je dois le donner, le monarque. Le monarque, je peux le donner. Il l'a pas. Après, il y a des trucs que je vais stocker chez moi. Donc, la pépite de fer, les pépites d'or, voilà. Alors, faire une donation. Alors, les amis, j'ai remarqué un truc en ce moment. Vous êtes nombreux à regarder les épisodes de d'Animal Crossing et merci beaucoup en vrai. Merci beaucoup. Je pensais pas que ça allait marcher. Je pensais que ça n'allait pas du tout pas ça n'allait pas du tout marcher et en vrai ça marche. Ça marche beaucoup en ce moment et franchement merci beaucoup. Ça fait vraiment franchement plaisir. Non, ça ira, on s'en fout, tac tac tac, le monarque, nanana, on s'en fout. Ah, Thibaut, il est chiant, il raconte. Bon, c'est bien qu'il raconte des choses en vrai, hein. C'est très bien parce qu'au moins ça nous. On le saura pour plus tard, voilà, on aura de la culture en plus et tout ça sur les insectes et tout. Alors, je remets mes lunettes encore une fois, putain, c'est chiant ça. Les lunettes, faut que je les change, elles sont foutues. Toc 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 toc. Du coup, on va aller là, à la maison. On va essayer de voir aussi si on a des sous à déterrer. Des clochettes. Ah, j'ai oublié d'éteindre les lumières là-bas. Bravo. Ça, c'est malin, ça. Alors, j'aimerais entreposer ça. Parce qu'on va avoir besoin. On va en avoir besoin pour plus tard, ça aussi. Entreposer. Entreposer. Là, on va faire que les fossiles pour la suite de l'épisode. La pêche et tout ça. Pépite de fer. On sait jamais. Voilà, ça devrait aller. Ça devrait être correct alors. Ça devrait être correct. Demain soir, bah demain, les amis, je serai en live sur Sparking Zero. Donc venez nombreux, franchement, venez nombreux parce qu'on va. Il y a beaucoup. J'ai discuté avec un collègue hier et tout ça. Et franchement, il gère aussi. Je l'ai mis dans l'espace communautaire. Donc allez soutenir Sibaman. Allez les soutenir. C'est un très bon gars, franchement. Qui a peut-être 53 ans. Ouais, 53 ans. Mais c'est un adorateur de Dragon Ball et de jeux en tout genre. Voilà. Franchement, allez le voir. Allez le voir.
Très sympathique. Dans la rigueur, on pourrait récolter aussi, ouais. En vrai, on pourrait faire aussi des clochettes. Mais ça prend du temps. Ça, par contre, je vais le faire. Pour les revendre. Après les poissons, je suppose que c'est le même à chaque fois. Bon, les rochers, à la rigueur, on s'en fout pour le moment. On n'a plus de mission à faire. Il n'y a pas... Ah, j'allais dire, il y a un trou à un moment donné, non? Ça se passe comment? Ah, ben voilà! Du coup, Pokémon Diamant Étincelant, on est à l'épisode 14 d'aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, ouais, on sera à l'épisode 14. Demain 15, alors... pour Pokémon, justement, je voulais vous en parler. Il y aura un épisode jusqu'à samedi cette fois-ci. La semaine prochaine, ça sera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le week-end, vous aurez Animal Crossing, plus les lives, et puis c'est tout. Parce que... Bah, en soi, on n'est pas très loin de la fin de Pokémon Diamant Étincelant. Il nous reste 3 badges, et puis après, il y a la fin à faire, et tout ça. Mais... disons que, vu qu'on en est plus très loin, le mieux, ce serait... voilà, qu'on fasse ça toute la semaine. Au moins, on avance très bien, et tout. Et puis voilà. Au moins, ça garde un petit peu de suspense pour la suite, un petit peu. Comme ça, le week-end, on fait une pause de Pokémon Diamant Étincelant, et j'essaie de m'investir plus sur, je m'investirai plus sur les lives, quoi. Après, il se peut qu'il y ait des week-ends que je live pas. Ah, merde, il y a un trou, justement, en haut. Je peux pas y aller. Il y a des week-ends, oui, je disais que je pourrais peut-être pas live, ou dans la semaine, des fois, voilà, parce que... Voilà, je serai occupé, etc. Je tournerai les vidéos et tout ça, mais après, voilà. Au moins, vous aurez les vidéos. Au moins, ça. Kingdom Hearts 3, là, il y a un épisode de bonus qui est sorti avant de sortir la suite. Parce que là, si vous voulez, en fait, l'épisode bonus en soi, c'est un épisode... c'est un épisode vraiment à part de Kingdom Hearts 3. C'est pour faire un résumé de tous les jeux. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Souvenir, voilà, Souvenir, en VOD. Alors, Triac, ça fait pas mal de choses, pas mal d'épisodes pour que ça soit en VOD. Voilà. Du coup, comme ça, il est tranquille, et moi, de mon côté, je monte ces vidéos, et je suis tranquille aussi. Comme ça, je vous les sors et tout, et on est bon. Alors, je vais éternuer dans pas longtemps, je sais pas pourquoi, c'est en train de me titiller le nez. Il est con, lui! Ah, punaise! Il est con! Ah! Ah non, c'est. Je nettoie juste une lunette. Alors. Lui, il est très con. On est d'accord. Pourquoi il est très con? Parce que je veux. Reboucher le trou. Et ce con, qu'est-ce qu'il s'amuse à faire? Ah, me reprend les mauvaises herbes. Il est très con! En plus, la mauvaise herbe, elle était derrière, quoi. Sans déconner, comment tu fais pour récupérer un objet qui était derrière? Par la télékinésie, par la pensée, bah, c'est la même chose, de toute façon, télékinésie, pensée, voilà. On va aller revendre les coquillages. En vrai, aujourd'hui, ça sera pas un épisode non plus de ouf, hein, voilà, c'est surtout pour finir. Il est con, lui. Il est con, ce perso, ça se passe comment? Tu peux même ouvrir la tente avec la pelle, quoi, sans déconner. Oh, franchement... Même avant, sur la Wii, on pouvait. Même sur la 3DS. Il reste plus qu'à remonter nos manches en travaillant bien. On devrait pouvoir ouvrir demain. Ah, du coup, demain, ça serait pour demain. Tu veux quelque chose de spécial? Achète-moi des trucs. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux vendre? Bah, tous les coquillages. Hein. Tac, 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 tac. Merde, pas ce bois-là. Ça, à la rigueur, je m'en fous. Et normalement, on est bon. Ah, quand même, 2785. Pas mal. Du coup, est-ce que Nook, ça va le faire changer d'avis ou pas là?
Que puis-je être utile? Je dois faire quoi? Non, il n'y a rien à faire, donc aujourd'hui c'est mort. Il n'y aura pas de grosse mission à faire. Je vais récupérer les maïs-nooks. Je vais aller un coup au zoo, ouais, au musée. Au musée, pas au zoo. Ok, Animal Crossing, c'est un zoo en fait. Vu que c'est des animaux, de partout. C'est le zoo, c'est la savane, c'est tout ce que vous voulez, la jungle. Du coup, on va aller voir Thibou. Après, je pense qu'on arrêtera l'épisode. Pour le jour 7. En fait, ça va faire une semaine que je tourne les Animal Crossing, quoi. C'est énorme. Bah, c'est énorme. C'est déjà pas mal. Après, non, une semaine, c'est pas énorme. Ça, c'est pas énorme. Mais en vrai, une semaine, je trouve qu'on a fait quand même pas mal de choses. Hein. Bah, pour ma part, je trouve. De toute façon, demain, ouais, c'est le jour 8, 9, samedi, dimanche, jour 10, que je me souvienne, que je me gourre pas, de toute façon, voilà, c'est numéroté, donc dans aucun cas, on sera paumé. Bah, on va faire une donation quand même, on n'est pas des crevards. Je suis pas un crevard. Quoique. Non, je plaisante. Corde de Triceratops et. Corde de Triceratops. Ah, non, deux fois? Et non. Corde de Triceratops. Corde de Triceratops. Crâne de Parasaurolophus. Ok. Et queue de Brontotherium. Ah, bah, on a un fossile à vendre. On a déjà un doublon. Putain, c'est déjà rapide. C'est déjà rapide. Ah, en vrai, on pourrait explorer vite fait ici, à la rigueur. On va faire une exploration vite fait. Après, on va aller voir Tom Nook pour vendre, puis après, on arrêtera là. Tum, 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 tum. Voilà, je fais une petite capture. Ça, c'est pour moi, c'est pour la future miniature. On va faire une petite visite au musée, même s'il n'y a pas grand-chose à part la libellule. Une libellule. Ici, on a quoi? Rien du tout. Rien du tout non plus. En vrai, au niveau insectes, on n'est pas... Pas ouf. On n'a rien au niveau insectes. Bah, pas grand-chose, à mon avis. Ici, ça doit être les vers, les scolopendres et tout ça. Chose. Après, on m'a dit il faudrait que je remonte le temps et tout ça, que je remonte le temps, que je fasse que j'avance le temps et tout ça, mais bon, après en soi, je préfère ne pas le faire. Pourquoi? Parce que bah, déjà, c'est dans les paramètres, j'ai la flemme de changer quoi que ce soit. Voilà. Si vraiment il y en a besoin, je le ferai avec grand plaisir, parce que j'aurais pas trop le choix. Pas avec grand plaisir, surtout j'en aurais pas vraiment le choix. Mais pour l'instant, ça va, genre, on n'en a pas trop l'utilité. Parce qu'on va avoir l'événement de Jaco et tout, donc voilà quoi. Donc là, à mon avis, c'est pour le scorpion et tout ça. Vu que c'est des terrariums. Peut-être des lézards. Je sais pas si on peut avoir des lézards dans ce jeu. Tarentule. Ah, là on a un criquet. Et un grillon du midi et un grillon du soir, je crois que ça s'appelle. Ici, chenille. Oh, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Avec les chrysalides et tout, c'est pas mal. C'est marrant. C'est pas mal. Bon, on fait une petite visite, allez. On va faire une petite visite du musée parce que bon. On a quand même quelques petites choses. Après, honnêtement. C'est pas non plus. Le musée n'est pas vraiment rempli, rempli non plus. Donc. Ça va être du rapide. Là, on a quoi là? Alors ça, on peut pas y... Bah, on peut y aller, mais il n'y a rien. Ça, c'est sûr. Là, c'est tout ce qui est poisson, milieu fossile. Ok. Ouais, parce qu'au-dessus, c'est les œuvres d'art. Mais bon, on n'a pas d'œuvres d'art. Ça, c'est sûr.
Franchement, la musique, elle est stylée. Ah, on a plein de poissons, là. Ce qu'on a pêché, là. Ils ont tous rassemblé dans un bac. Après, je sais pas si ça change... Je sais pas si on aura que tout le temps les mêmes poissons en automne et tout ça. Oh, je pense que si, je crois que c'est un truc comme ça. Alors, je sais que sur la Wii, il me semble bien que... Si vous voulez, chaque saison... Chaque saison, en fait, voilà, on a différents poissons et tout ça. Déjà, on en a un là. C'est marrant. C'est sympa, je trouve. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Après, niveau poisson de mer, il n'y a pas grand-chose non plus, hein, à part une sorte de limande. Ouais, c'était une limande. Il me semble que la limande, c'est dans le sol. Elle se planque. Il me semble. Là, je sais pas si on a autre chose. J'ai pas l'impression. Bon, on s'en va. On va aller voir un coup les fossiles, et puis après, on va aller voir un Tom Nook, et après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, ça sera pas un gros épisode, hein, voilà, je le dis sincèrement, l'épisode, même pour moi, je trouve... Je veux pas dire que c'est un épisode claqué au sol, mais... c'est pas non plus un épisode où on va faire pas mal de choses, un truc de fifou, voilà, je sais pas comment expliquer, voilà. Il n'y a pas de dinguerie dans... Il n'y a pas de dinguerie en vue, hein, quoi. Donc voilà. Ouais, on a quelques fossiles, franchement, c'est pas mal. Un nautile et tout. Des crânes. Ah, même les fossiles, voilà. Le fossile n'est pas complet, ni rien. Ça va être vraiment rapide. Alors, est-ce qu'ici on peut faire ça? Ah, ça ne marche pas. Ah, si, c'est bon. C'est ça que je voulais faire, juste un petit drift, je sais pas comment expliquer, un petit dérapage. Allez, on va dire un dérapage. Là, je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi ça? Parce que là, on voit des habitants d'Animal Crossing, là, mais... Est-ce que ça a un rapport à... Il faut avoir certains personnages pour que... L'île avance, ou je sais pas quoi, parce qu'on dirait que c'est relié. Là, on dirait que c'est relié, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si il y a un rapport ou quoi. Ok. Bon, bah écoutez, on va sortir du musée. On aura fait un peu le tour, en vrai. Y a pas grand-chose à voir, hein. Pour le moment, on y reviendra plus tard. Ça sera le mieux, parce que bon, là... comment dire la chose? Y a rien, c'est vide, c'est moche. Voilà, je trouve que c'est moche quand c'est vide. Bon, allez, go! On sort d'ici. Je crois que celui-ci, on l'a pas. Ce petit papillon, là. Je suis pas sûr. Je crois pas qu'on l'ait, celui-là. Ah non, un citron, je l'avais déjà. Ok, bon, on va le revendre. Ouais, bah écoutez, je crois qu'on l'avait déjà. Est-ce que celui-là, on l'a? Je sais plus. Alors, je sais même plus ce qu'on a comme papillon. Berry de la rave, ok. Bon, bah écoutez, on va les revendre. On va revendre tout ça, puis après on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que bon... Il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que là, on a fait la fin du magasin, donc demain, il y a un magasin qui s'ouvre. Achète-moi des trucs. Alors du coup, ça, ça... Et ça...
5320 clochettes. Eh bien, dis donc, c'est pas mal. On a 22 000. Bon bah écoutez les amis, j'espère que l'épisode 7, donc le jour 7 d'Animal Crossing New Horizon, vous aura plu. Bah écoutez, de mon côté, bah, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir dans un premier temps et de, d'avoir tourné le jour 7 d'Animal Crossing, malgré que c'était vraiment un épisode vraiment très allégé, pas grand chose à faire, pas grand chose à dire en vrai. Voilà, pas de nouvelle mission de la part de Tom Nook, ni de Melee ou de Melo, donc... pas grand chose à faire en tout cas. Bon bah écoutez les amis, c'était Ghosty, je vous dis à très vite, abonnez-vous et likez la vidéo. Ciao.